Hello mes étoiles, hello, hello, hello. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai tenu à respecter les 8 jours de deuil, pardon, qui a été décrété. Vous avez vu sur ma page que j'ai fait, je faisais pas de publication en dehors de ce drame qui nous a frappés tous en tant que jeunes Africains. Je dirais pas seulement jeunes Ivoiriens, mais je parlerai de l'Afrique parce que ce monsieur-là, on parlait de lui-même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qu'on appelle Monsieur Ahmed Bakayoko. Moi, je n'ai pas encore commencé à parler de lui au passé parce que je n'y arrive pas. Donc, permettez-moi de quand même de continuer à conjuguer au présent parce que pour moi, il est encore avec nous. Il nous a laissé des valeurs, a laissé des valeurs pour la jeunesse qu'on doit continuer à pérenniser. On a tous mal, on est tous affligés par son départ. Mais il y a quelque chose dont je voulais parler, spécialement aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, de mon côté, avec ce drame-là, j'ai connu la vraie facette de certaines personnes. J'ai découvert certaines personnes. Des personnes à qui je pouvais donner le bon Dieu sans confession. C'est quelque chose qui t'arrive et puis tu connais maintenant les gens. Mais j'ai dit, oh, on peut mentir comme ça, fort comme ça. On peut... Ça, vraiment, je n'ai pas les mots, mais parce que ça veut dire que vous avez des vieux pères, des grandes sœurs, des tantes, des amis qui sont autour de vous, mais qui sont des menteurs, mais vous ne savez pas. On marche avec des gens qui mentent comme ce n'est pas permis. On est ensemble à Bigain ici, hein, mais eux, ils ont information qui est en Allemagne. Ils sont jamais montés dans l'avion. Mais si tu leur demandes, c'est quoi le pilote qui a transporté tout ce qui s'est passé là, avait porté là, ils vont te décrire. Pourquoi on aime se mentir? J'ai constaté ça beaucoup ici. Hein. On ment beaucoup fort. Hein. On ment beaucoup fort. C'est pourquoi maintenant, on veut se jouer les connaisseurs, on a toutes les infos, on est au taquet avec les infos, on est proche même, il y a d'autres même qui ils sont trop proches même de la famille, mais ils ont les infos même chaudes, clair, clair. On fouille même là, fouille-t'as là. On se ment trop, c'est pas bon. On se ment beaucoup. Franchement, on n'a qu'à arrêter de se mentir comme ça. Tu vas souvent même dans des restaurants, les vieux pères là, ils sont en train de se mentir même. Ils se mentent. Toi-même, tu es assis, tu ne peux pas parler dedans. Ils se mentent jusqu'à ils discutent même sur la vie de la personne. Et on peut faire ça. On peut mentir. Oh. Moi, il y a des vieux pères qui m'ont déçu, hein. Ça veut dire que je suis déçu d'eux. Parce que moi, je les voyais trop en kéké. Mais tu es papa de quelqu'un, tu mens comme ça. Et puis toi, ton enfant va mentir, tu vas le chicoter. Mais toi, qui te chicotes? Vous vous fâchez quand vos enfants font des trucs.
il tient ça de toi. Tu es assis dans les coins, tu mens. Il fallait que j'en parle parce que ça est sur mon cœur. Moi, j'aime pas garder les choses. Ça va me rendre malade. J'ai dit, il y a un là même là, faut le voir. J'étais à Ségué là, mais à Ségué là, on... Hey! En tout cas, il restait un peu, il allait donner le nom de ceux qui ont soulevé le cercueil là. Il le connaît. Les motards même qui étaient devant là, ils connaissent leur nom et tous. Mais le vieux père là, tu le regardes, tu le multiplies par deux, ça prend pas. Tu le multiplies par zéro aussi, il n'y a rien qui sort. Tu le fouilles à tes gants. Mais lourd mensonge qui est sur lui là. Oh. Ce qui me fait mal là, c'est la chérie qui était avec lui, la fille qui était avec lui là. Elle croit. Oh, il ment comme ça. Ça là, il ne va même pas faire sérieux avec elle. Ben, il ment déjà des bases. Franchement, ça là. Si les gens savaient aimer comme ils savent mentir vraiment, Juliette Dakouré. Vraiment, on allait aller loin dans la vie. Si les gens savaient aimer comme ils savent mentir. Vous avez menti sur les informations ici jusqu'à... Vous avez menti jusqu'à ce que vous avez voulu là. C'est arrivé. Mais dans ça là encore, vous mentez encore. Est-ce qu'on va s'en sortir? Avec tous ces mensonges-là. Et puis, il y a des femmes dedans. Hein? Que non. Ça veut dire que les mensonges sont tellement grotesques que moi-même, je me sens gênée même de les répéter. Parce que si je les répète, c'est comme si je crois. Nous, là, on ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. Ça veut dire que ce qu'on a fait de mal là, c'est vous connaître. C'est vous fréquenter. On n'a qu'à se respecter dans ce pays. Et même au-delà. Vos mensonges là, enlevez-nous dedans. Vous pouvez vous asseoir, vous seul à la maison. Et puis, vous mentez. Vous réveillez le miroir et puis vous expliquez... À votre visage, vous-même dans le miroir. Mais laissez-nous en dehors, parce que parmi nous, il y a des cardiaques. Parmi nous, là, il y a des... Moi, je suis asthmatique. Tu vas me mentir comme ça un jour, tellement ça va m'étouffer. On ne sait pas. Pardonnez. Arrêtez. Arrêtez vos mensonges, là. Mensonges d'État, mensonges... Vous mentez dans tout. Avant, vous mentez dans femme. Maintenant, vous venez mentir encore dans la mort. On peut faire ça? On peut faire ce que vous faites là? Oh, franchement, ça là, il fallait que je me libère, quoi. Je parle certains rires. Oh, c'est la vérité. Fouillez autour de vous. Vous allez voir même vos amis, même sur Facebook, certains faisaient des posts. Quand toi-même tu regardes le poste, tu sais que c'est un mensonge. Mais tellement qu'on est appâté par le faux, tellement on aime le faux, nous-mêmes, on relaie, on galvanise. Ça veut dire qu'on est content de lire le faux. C'est pas bon. Quelqu'un qui aime le faux, c'est un faussaire lui-même. Vieux père, je sais que tu me suis. Toi que j'ai vu hier, là, en chapeau, là, je sais que tu me suis beaucoup. Vidéo, ça, là, tu vas écouter. Vieux père, tu mens. Moi, je t'ai dit ça. Tu mens même. Tu mens beaucoup fort. C'est pas bon. Pour ton âge même, là. De façon, tu mens, là. Toi, mais ça peut te rendre malade. Parce que tu peux mentir comme ça et puis toi-même, tu peux perdre connaissance.
Parce que affaire des mensonges là même là, c'est il faut que un tombe. Il faut que ça veut dire que tu es en train de mentir et puis ça t'attrape, ça te lutte, ça te met à terre devant nous. Si un n'est pas tombé là, ils vont pas arrêter. Si un n'est pas tombé dans mensonge là, dans affaire que tu connais pas et puis tu connais que la famille même là. Et Allah, si Dieu pouvait m'entendre, ça veut dire que tu es en train de mentir comme ça et puis l'esprit de la personne même te prend pour te faucher, pour te mettre au sol, serrer ton cou comme des Versailles. Si Dieu fait ça là, les gens vont commencer à avoir un peu de retenue, surtout dans les endroits publics. Surtout dans les endroits publics. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? On en deuil, ça fait mal. Mais, et puis, ce qui me fait mal, quand ils sont en public, là, c'est eux qui élèvent la voix. Il te dit, tu es en train de mentir, tu élèves la voix. Tu penses que tu jales la foule. Oh, tu mens. Et puis, nous-mêmes, on est en train de se faire les clins d'œil, les signes à côté. Et toi, un vieux comme ça, tu parles, et puis nous, on se marche sur les pieds pour te faire signe. Est-ce ça là? Et à ta gamme, vieux père. Toi-même, il faut voir ta gamme. Tu parles. Toi, tu parles. Normalement, quand un vieux père parle, là, un sage parle, là, tout le monde écoute attentivement. Mais tellement tu mens, là, on se fait les signes. Tu m'as déçu, hein? Pourtant, je t'estimais, quoi. C'est son chapeau, là, même, qui m'a énervé, même. Quand il enlève son chapeau là, il s'éteint un peu. Mais quand il reporte là, on dit c'est son chargeur de mensonges là qui est là. Son chapeau là. Le jour où il voyait son chapeau, j'ai arraché. En tout cas, c'est ça. Ça fait mal, mais vous riez. Moi, ça ne me fait pas rire. Vous riez, mais moi, ça ne me fait pas rire. On ne peut pas mentir et puis alimenter le mensonge comme ça. On aime trop le mensonge, nous les Ivoiriens, là. Les Africains. Il t'a dit. Lui la donne d'après quelqu'un que je ne vais pas citer ici. Il dit celui-là prend sel, il met ici. Lui-là, ça va prendre dans la poubelle, il met dedans. Lui, là, prend ici, il met ici. Tout ça, là, on mélange. Franchement, 2021, là, sachons choisir nos amis. Que tout ce qui se passe, là, on puisse retenir une leçon, un enseignement dedans. Regarde pour ton ami qui est parti, regarde ce que les gens ont fait. Imagine pour toi. En tout cas, moi, je pense à pour moi. Mais celui qui va s'amuser pour mentir à mon nom là, ce qui va se passer là. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ce qui va se passer. Je vous dis en même temps, hein? Celui qui va prendre mon nom pour se promener là. En tout cas, c'était ça. Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne nos péchés, que Dieu pardonne à nos défunts leurs péchés ou les mauvais actes qu'ils ont commis. Et que le paradis Fidaous soit leur dernière destination, Inch'Allah. Que l'âme du premier ministre Ahmed Bakayoko repose en paix. On est tous affectés. Tu veux pas, tu es affecté. C'est une personne que même ses ennemis pleurent. Ça, c'est une bénédiction. Dans la vie, tu poses des actes jusqu'à quand tu n'es plus. Tes ennemis même te regrettent. C'est une bénédiction. Et j'espère que Dieu en tiendra compte. Inch'Allah. Pour lui. À nous maintenant de poser aussi les bons actes sur terre. Pour que demain, si on part,
nous aussi, on puisse rejoindre la lumière céleste, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon week-end et que Allah nous garde.